Bonjour tout le monde, donc je profite de ce magnifique paysage de la plage de Sion, la plage de Saint-Hilaire-de-Riez. J'ai choisi ce lieu pour pouvoir vous remercier puisque depuis jeudi, la campagne est un succès. On a dépassé les 100%, donc c'est OK. Le projet va pouvoir voir le jour et ça c'est vraiment génial. Je remercie tout le monde puisque sans vous, ça se serait terminé. Vous avez pu sentir que j'ai eu beaucoup de doutes. Je pensais vraiment pas que ça allait pouvoir voir le jour. Je pensais vraiment que ça allait s'arrêter là. Mais vous m'avez prouvé une fois de plus que vous aviez confiance en moi, que vous avez cru en mon projet et que vous avez envie de connaître la suite des aventures de Daniel. Et ça aussi, ça me touche. C'est une aventure qui continue, c'est une très très belle aventure. Voilà, second roman, je peux enfin dire que oui, je suis auteur de romans policiers. C'est mon deuxième succès. Yes ! Merci à vous tous. Donc oui, vous allez pouvoir savoir comment Daniel s'acclimate avec ce paysage vendéen. Donc là, la plage par exemple, c'est un endroit qu'elle va avoir du mal à connaître, mais qui au fil du temps va être un de ses endroits préférés. Donc voilà, aujourd'hui il reste 4-5 jours pour la campagne Ulule. Vous pouvez continuer à précommander le roman ou les romans comme vous souhaitez. Je vous ai fait 3 promotions supplémentaires. Vous avez moins 10% sur 3 packs. Sur la réservation de Perversion à la Une plus Les Filles Perdues avec Envoi. Vous avez aussi une promotion sur le pack de la trilogie et aussi sur le pack plus qui vous permettra non seulement d'avoir la trilogie mais de pouvoir en plus me rencontrer pour qu'on discute de tout ça. Alors n'hésitez pas, vous avez moins 10% sur ces 3 packs en plus des promotions que j'avais déjà proposées avant. Donc il faut terminer cette aventure en beauté. Je compte sur vous, bien sûr. Ça serait tellement bien de pouvoir arriver au 200%. J'étais pas loin pour Perversion à la Une. Il me restait vraiment pas beaucoup de pourcentage pour atteindre les 200. Donc là, pourquoi pas? Ça serait bien. Il manque pas grand-chose. Il manque quelques contributions pour pouvoir atteindre les 200%. Je sais qu'il y a des personnes encore qui m'ont dit qu'elles allaient commander sur Ulule. Donc je vous fais confiance, je pense que ça va le faire. Et puis si on n'atteint pas les 200%, on sera pas loin et c'est pas grave. Déjà on a dépassé les 100% et c'est génial et je vous remercie beaucoup. Et si on atteint 200%, ça me permettra de pouvoir avoir un plus gros financement, un financement qui servira, en plus de l'impression des romans, à pouvoir créer de la publicité, à pouvoir aussi ouvrir enfin un site internet pour les commandes, un site pro. Et les sites pro, comme vous savez, c'est payant et je ne pouvais pas me permettre jusqu'à maintenant de le faire. Donc si les contributions me permettent d'avoir un financement un peu plus grand, c'est mon objectif. Le site serait en ligne en début d'année, normalement. Mais bon, déjà je peux imprimer les 100 exemplaires, je peux vous les envoyer, je peux continuer l'aventure et voilà, c'est déjà génial. Et je ne sais pas comment vous remercier, à part vous faire participer peut-être à la découverte de la couverture. Je suis encore en train de préparer cette couve. Je voudrais quelque chose vraiment d'exceptionnel, quelque chose de magnifique. Et je vous proposerai plusieurs projets. Et ce sera à vous de choisir. Donc vous aurez participé à la fabrication de ce roman. Alors je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de continuer à faire la promotion. Il reste 4-5 jours. C'est pas beaucoup. Le 12 novembre, en fin de journée, ce sera fini. Et je vous retrouverai à ce moment-là pour faire le point et vous dire où on en est. Et puis vous dire la joie que j'aurai de pouvoir continuer mon aventure en tant qu'auteur en auto-édition. Alors à bientôt. Et je compte sur vous pour la suite. Bye!